Messieurs, peu d'entre vous m'ont connu quand j'avais l'usage de mes jambes. J'étais fort, très fier et arrogant. Il ne se passe pas une heure sans que je me pose la question : pourquoi Dieu m'a-t-il mis dans cette chaise ? Mais quand je vois aujourd'hui la défaite dans les yeux de mes concitoyens, comme je la vois à cet instant dans les vôtres, j'ai tendance à penser que s'il m'a imposé cette épreuve, c'est peut-être pour qu'en de telles circonstances, nous n'oublions pas où est notre devoir, qui est de ne jamais baisser les bras et de lutter. Malgré le respect que j'ai pour vous, Monsieur le Président, ce que vous demandez est impossible. Monsieur le Président, laissez-moi, Georges. Laissez-moi. Ne me dites pas que c'est impossible.